grandes assurances. Il nous a renouvelé ses bontés. Je crois que chacun de nous apprécie les bontés de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Oh, vos amens sont très faibles ce matin. Est-ce que vous appréciez les bontés de Dieu? Est-ce que nous apprécions les bontés de Dieu ici? Oui, bien aimé, il faut apprécier cela. Ce n'est pas un hasard que tu puisses te retrouver dans cette année. Ce que Dieu n'avait pas voulu voir dans cette année, ils sont bien sûr morts. Ils ne sont pas avec nous. Dieu te fait grâce d'être debout. Il faut apprécier cela. Je bénis encore une fois de plus le Seigneur. I bless the name of the Lord once again. Pour le temps qu'il me donne ici. For the time that he is giving me. Je crois que j'avais vraiment fini de prêcher ici. I don't think I'm going to be finished preaching here. Mais je trouve que le Saint-Esprit n'avait pas encore fini avec moi de prêcher ici, quoi. It seems like the Holy Spirit doesn't finish with me yet to preach here. Juste quand je me réveillais ce matin, je ne savais pas que j'allais encore prêcher ici. Until I wake up this morning, I didn't know I was going to preach here. Je pensais que j'allais prêcher quelque part autre avant de partir demain matin. To preach somewhere else before I leave. Mais je crois vraiment que j'étais venu pour quelqu'un ici, donc. I think the Lord brought me back here for somebody. Si j'étais ici en Floride vers la fin de cette année, le début, c'était pour quelqu'un dans cette église. Tu vois que c'est de ton voisin que je parle, parce que c'est lui qui dit Amen, c'est pour lui que j'étais venu. Oui, c'est comme ça que Dieu organise les choses. Je bénis Dieu pour le pasteur Brutus. Dans la logique des choses, il faut toujours que le pasteur de l'église prêche le dernier dimanche de l'année et le premier dimanche de l'année. Mais s'il accepte de céder sa chair comme ça, ça veut dire qu'il est vraiment, l'ami du Saint-Esprit. Il écoute beaucoup le Saint-Esprit. Il est aussi gentil. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Il est vraiment gentil. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit m'avait réveillé. Bon, j'ai médité ma méditation personnelle la nuit avant de dormir. Last night, I couldn't sleep. Et puis, vers 4h30, le sommeil s'est coupé. J'ai commencé à prier. Puis, je me suis mis à la table pour reméditer encore le chapitre ici que je vais partager avec vous. Je suis très convaincu que si ce n'est pas pour toi, if it's not for you, vraiment c'est pour ton voisin. It's for your neighbor. Mais si ce n'est pas pour ton voisin, if it's not for il faut your retenir neighbor, ça, aller dire ça à quelqu'un qui est à la maison, c'est pour lui. At home, it is for him. C'est le chapitre 17, the chapter 17 de 1 Samuel. From Samuel 1. Chapitre 17 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapter 17. Je vais lire quelques versets. I'm going to read a few verses. Mais tout le chapitre est intéressant. But all the chapters is very. On fera allusion à tout ça, mais je vais lire quelques versets pour gagner le temps. To all that, but à partir du premier verset, on a écrit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Ephes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rangèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté
et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre le désarmé. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 cycles de reins. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le Philistin dit encore: je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Père, je te remercie pour ces jours. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu veux communiquer à tes enfants en ce premier dimanche de l'année. Merci parce que tu veux les conduire quelque part. Tu veux les armer d'une pensée pour affronter cette année et remporter des victoires pour la gloire de ton nom. Nous soumettons, Père, toutes choses à ton autorité et nous disons que nous avons besoin de ton esprit, de sagesse et d'intelligence pour nous communiquer ta pensée en ces jours. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que pour tous ceux-là qui ont déjà fait quelques jours dans le Seigneur, ça, c'est parmi les passages qui sont plus courants, beaucoup étudiés à l'école de dimanche. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath et de David. En fait, ce ne sont pas des passages qu'on peut vouloir utiliser pour prêcher parce qu'on sait que vraiment ça c'est connu de tous quoi. C'est connu vraiment. C'est connu. Mais oubliez tout ce que vous connaissez de ça. Je veux que vous oubliez tout ce que vous connaissez de ça. Pour écouter ce que je vais vous dire à ce sujet. Nous savons bien qu'Israël était entouré de ses ennemis. We know that Israel was Israël était un peuple, jusqu'au même aujourd'hui, environné de ses ennemis. Around him was his enemy. Et Israël vit au milieu de ses ennemis. And Israel was in the center of his enemies. Et vivait toujours au milieu de ses ennemis. Live always in the center of his et enemies. Dieu n'a jamais trouvé une autre solution pour eux. God never found another solution for. Il n'a jamais voulu le prendre et le mettre ailleurs pour dire: je vous mets à l'endroit où vous devez être en sécurité, loin de vos ennemis. God never had the tendency of putting them somewhere else that they don't have any enemies. Et à cette époque, ils étaient encore entourés de leurs ennemis. And this, at the time they were, c'est comme ça qu'ils allaient de guerre en guerre, de bataille en bataille. Quand ils finissaient avec celui-ci, ils commençaient avec l'autre. Quand l'autre finissait, c'est l'autre qui l'attaquait. C'est pour dire, bien aimé, que la vie que nous avons n'est pas une vie de cadeaux. Ne vous attendez pas que cette année qui commence vous amène des cadeaux. Parce que c'est là le problème de beaucoup. Ils croient qu'à l'année commence,
On dit bonnes et heureuses années. Ça veut dire qu'on vous amène le bonheur comme cadeau. On vous amène une vie heureuse comme cadeau. Tout va commencer à rouler comme sur des roulettes. Il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est là que tout commence à ne pas marcher dans nos têtes. And that's why sometimes. Quand demain les situations commencent, on se dit, mais Seigneur, on avait déclaré, on avait proclamé, quand l'année a commencé, on a fait des prières. Mais est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Pray, but are you here or you are not here? Mais quand nous célébrons Dieu, quand nous le célébrons, quand nous le glorifions, when we glorify the Lord, et quand Dieu nous promet des choses qu'il va réaliser. And when God promises us, c'est à ce moment-là que le diable s'élève aussi. That's when the devil. Il faut savoir comme nous avons commencé l'année, le diable a commencé aussi l'année. Et les démons ont aussi commencé l'année. The devil start also. Ne vous trompez pas, les démons ne sont pas encore morts, le diable n'est pas encore mort. The devil is not dead yet. Il vit et il se promène tranquillement. Getting old as. Et Dieu lui-même ne l'a pas encore emprisonné. God doesn't, et le temps de l'emprisonner n'est pas encore venu. The time for God to put c'est comme ça qu'il travaille. That's how he works. Mais j'aime dire ceci. I'm saying that. Le diable the devil est laissé en activité. Avec raison. With reason. Dieu l'a laissé en activité avec raison. For reason. Parce que s'il n'est pas en activité, because if he's not, on va penser que nous on a un Dieu mort. We're going to take that on va penser que nous on a un Dieu faible. We are et on va penser que nous-mêmes nous sommes faibles. And we will, c'est pourquoi we lui doit encore être là. Pour que nous puissions savoir que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout pouvoir, qui est au-dessus de toute grâce. And who's over et en ce jour, and on this day, Israël était en combat. Israël was in combat. Saül était là. Saül was there. Et toute l'armée était là. And the whole army was there. Ma Bible que je viens de lire, my Bible that I read, me dit que ces gens étaient de l'autre côté de la montagne. These people were on the other side. Et les autres étaient aussi de l'autre côté. Somewhere et il y avait une vallée au milieu. And there were a valley and they mais started. En ce moment, at this time, je ne sais pas qui avait choisi cette stratégie de guerre. I don't know who chose that strategy. Afin quand tu as guerre, on doit se battre tous. Mais je crois que les Philistins everyone étaient à la base de ces choix. I think the Philistine was at the parce qu'ils avaient un candidat. Because they have a candidate qui était en mesure de battre n'importe qui. That was able to beat everybody. Et j'imagine, je pense, qu'ils ont fait une étude sur Israël. They studied Israel pour savoir qui était l'homme le plus fort et le plus jeune. Who was the most mighty and et à cette époque, and at this time, c'est Saül qui était l'homme le plus fort et le plus jeune d'Israël. Was the stronger man. Mais selon ce que nous venons de lire, Saül était là. Saül was there. Et son armée était là. His army was there. Il se levait chaque matin. He's stand up every morning. Et il campait. J'ai retenu ce vocabulaire que vous dites ici. I'm going c'est to parmi les mots que je vais partir avec. Vocabulaire. Ça veut dire levez-vous, c'est ça, non? That's not the vocabulary for you to stand. C'est ce que j'ai retenu ici. That's what le vocabulaire que je vais partir avec. I keep in your vocabulary. Au Congo, je vais dire, allez, campez. Campez. That's what I keep from your vocabulary. Alors, il campait. Aussi en français, ça veut dire, il prenait position. They took position. That's what that means in French. Chaque jour. Every day. Il campait de l'autre côté. They stood from the other side. Ils poussaient des cris de guerre. They push, mais personne n'allait se battre. Of war, the cry, but nobody can go and fight with c'est them. Parfois ça le problème. Sometimes, quand vous allez dans plusieurs églises, that's, what is vous allez trouver en ce moment when you go qu'on leur a donné la parole de l'année. They give the word of la the vision year, de l'année. The vision of la the pensée year, de l'année. The mais vous allez year trouver qu'ils ont ces pensées-là dans leur poche. You're going to find that they have that thought and the ce sont des pensées qui n'exécutent pas. Some thinking that not execute. C'est comme juste des slogans. Just like some slogans. Nous avions un président, un défunt président, un autre grand dictateur
qu'on a appelé Mobutu. C'était parmi les grandes dictatures d'Afrique. We call Mobutu. Il y avait des slogans. In Africa. Quand il s'est mis, il avait dit nye, nye, nye. When he come, they say nye, nye, ça nye. Veut dire nye, nye, faut rester tranquille. Nye, nye, nye. Laissez tranquille. Nye, nye, nye. Live alone. Tout va changer. Tout va changer. Everything go to quand on vous dit tout va changer, tout va changer, alors ça change dans les sens négatifs. That means in the negative sense. Les gens restent impayés. Les routes sont en train de se détruire. Ça ne change jamais pour le progrès, mais ça change pour la destruction. For the progress, but that change for mais the ça ne doit pas être comme ça dans l'église. That must not be like that. Quand on se lève, on nous donne une parole. When we send, ça doit être une parole que nous devons exécuter. Must a word to execute. Mais ces gens se levaient chaque matin. But this, on dit qu'ils poussaient des cris de guerre. Every morning, mais personne n'allait pour se battre. Nobody went to personne n'avançait. Nobody advanced. Il y avait before, de l'autre côté. Il y avait de l'autre côté Goliath. There were on the other side of Goliath. Qui lui sortait chaque matin. Every morning. Il injuriait Israël. Out. La Bible dit il injuriait Israël. Persécuté Israël. Il leur disait. He said to sortez-moi quelqu'un. Let somebody. Et nous allons nous battre. Come back. S'il me bat, nous devenons des esclaves. If I fight me, if si me, je le bats, vous devenez des esclaves. If I fought you, you're going to be a slave. Il dit, je lance un défi. I said, I put. Je voudrais souligner ces mots. Il lance un défi. They challenge them. La vie que nous avons à vivre. The life that we are c'est living. C'est un défi. It is a challenge. Que nous devons relever. That we must pick up. Chaque jour que Dieu te donne. Every day that God gives you. Est un défi que tu dois relever. It must a. Si tu ne sais pas que la vie est un défi, if you don't take the tu vas commencer à pleurer tous les jours. Tu vas commencer à te plaindre tous les jours. You're going to be, et personne ne fera rien pour nobody toi. Nobody will do nothing for you. Les gens vont te douter. Ils vont savoir que toi tu te plains toujours. They're going to mais il n'y aura aucune solution pour toi. Mais toi tu dois savoir but you must know que c'est toi qui dois t'élever pour relever les défis. De ta vie et de la vie de ceux qui t'entourent. Et tu dis, in your life, il dit, je lance un défi. Que quelqu'un se lève. And someone. Cette année, c'est un défi qui t'est lancé encore. This year, it's a challenge that comes to you. Cette année qui a commencé, c'est un défi. This year that start, it's a challenge. Aujourd'hui, c'est déjà les trois. Oui, ça veut dire que le mois de janvier est en train de se terminer. We see that the month of January is going to finish. Vous allez voir que bientôt nous serons au mois de février. Ça veut dire really que si on ne sait pas saisir les choses, if we don't, ça va passer et ça va passer et ça va être pass, la pass, même pass, chose. Pass, et à la fin de l'année, on va dire Seigneur, toi-même tu sais. Here. Et le Seigneur dit, je ne sais rien. Going to say, the Lord going to say, I don't know nothing, madam. Je lance un défi que quelqu'un sort. Put a challenge out there. Ça veut dire, for someone to comme come la Bible out, dit, that means Dieu a besoin toujours d'un homme qui se lève. Dieu ne compte pas sur le grand nombre, mais Dieu a toujours besoin d'un homme qui se lève. Parce que de l'autre côté, il y a déjà un homme qui s'élève. Dans cette église, Dieu a besoin d'un homme qui s'élève. Dans ta famille, Dieu a besoin d'un homme qui s'élève. Et je crois que même en Haïti, on a besoin d'un homme qui s'élève. Il faut qu'un homme s'élève. Il faut qu'un homme s'élève. There must be mais Israël ne se levait pas. But Israel doesn't not stand. De l'autre côté, Goliath se levait. On the other side. Mais du côté d'Israël, personne ne se levait. And the Israel side, nobody. Non, mon frère, stand. Non, ma soeur. Ça ne peut pas être comme ça. Dans cette église. In this church. Un homme doit se lever. A man must stand. Je crois que les femmes, c'est les femmes qui doivent se lever parce que les avaient des hommes là me découragent. Une femme doit se lever dans cette église. Some men keep standing up, you know that. Non, je crois qu'une femme, une femme doit se lever dans cette église. I say a lady must stand in this church.
Le 31, le pasteur Baudouin disait au sujet de résolution. The 31st, Pasteur Baudouin give some resolution. Vous n'étiez pas là, non. Il parlait de résolution. Quelle décision tu as pris? A lot of resolution. What resolution that you take? Pour cette année. For this year. Pour Dieu. For God. Il a cité entre autres choses, les choses que les gens n'aiment pas. Commencer à donner sa dîme régulièrement, par exemple. Prendre cette décision. You start with somebody you probably don't like. To start with your tithes that you don't like. Is that a resolution? Aimer Dieu plus qu'avant. Aime God. C'est sanctifié davantage. Before, it's sanctified every day. Une résolution. Quand il y a résolution, ça veut dire on se décide de s'élever. Decide to stand. Bien aimé, mais cette situation a duré 40 jours. This situation lasts 40 days. Goliath s'est levé chaque matin. Goliath stand. Injurié. Every morning. And personne ne s'est levé. To the Israel people, il rentrait. Nobody stood. Le soir, il venait encore. And went back. Il injurié. He started cursing them. Pour nous, en Afrique, on prend souvent la cure. On a la malaria en Afrique. Quand on te prescrit la cure de malaria, tu prends matin, soir. When there is matin, soir. Donc, ils avaient la cure des injures. Matin, soir. Matin, injure. Soir, injure. Matin, injure. Soir, injure. 40 jours. Et personne ne s'est levé. And nobody stood. Et Goliath était déjà sûr. Goliath que maintenant c'est fini. Knew that ces gens vont se rendre et nous allons les prendre. They're going to go back. Mais quand vous voyez dans le verset qui a suivi, when you see in the le verset 12, verse, on dit or. They say or. Ça veut dire pendant qu'il injuriait, while they were cursing, il y avait quelqu'un. There was somebody. Pendant qu'il s'est levé. Il y avait quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas là. Il était absent. Mais je ne veux pas que ce soit l'état ce matin. Je veux que ce quelqu'un soit présent ici. J'ai dit, je veux que ce quelqu'un soit présent. Parce que ce jour-là, pendant qu'il est injurié, la Bible dit, oh, the Bible says, oh, David, le fils, then David, the son, le fils des sons existait. Donc quand on dit or David, c'est or était David. Fils de cet Alphracien de Bethléem de Juda. One from Juda. On commence à expliquer David. Ouais, c'est trop brusque. To explain David. Lui lance les défis. Mais le passage se coupe. On dit oh, c'est comme pour dire pendant qu'il est injurié que personne ne s'est levé, que tout le monde le craignait, il y avait un fils de Bethléem qui existait déjà, qui était déjà en vie, qui pouvait changer la situation. Cet homme existait déjà. Quand le diable lance le défi, quand les ennemis de Dieu lancent le défi, il pense qu'il n'y a personne qui peut lui faire la tête. Cependant toi, cependant toi. Si j'étais au Congo, quelqu'un allait se lever et dire moi. C'est ce que je n'ai pas en Amérique aussi. Donc si j'étais au Congo, déjà quelqu'un allait dire c'est moi. Congo, somebody would say, il allait se lever et dire c'est moi. Mais vous, do that. Vous êtes that it's me. Ok, oh, come on, awesome, stand up, awesome, it's me. Ok, si vous mangez bien qu'en Afrique, mais vous êtes très faible comme si vous mangez très mal. Nous parlons très faible. C'est soit des embrouilles, so, vous êtes fatigué. So weak, it seems like you didn't eat nothing yet. Jésus est en train de dire, hein, pendant que le diable passe, while the devil pass, qu'il a fini avec ta famille, qu'il a fini avec ton église, qu'il a fini avec ta nation, or que toi, tu existes déjà. Mais lui pense que tu n'existes pas. The devil il pense qu'il a fini.
Il pense que la victoire est déjà là pour lui. Cependant, ce n'est pas le cas parce que toi tu existes déjà. You are existed already. C'est comme ça que Dieu va pousser God would push le père de David, the father of David, pour l'envoyer au sujet de la nourriture. To send him about the lui, il croit qu'il envoie David pour donner la nourriture. You think he send David, mais il ne sait pas que de l'autre côté, from the other Goliath side, est en train de monter le 40e jour sur le terrain. Goliath was showing the character of Joseph on the le père de David appelle David. Il lui dit, je vais t'envoyer voir comment se portent tes frères qui sont en train de se battre. Voir que ses frères ne se battent pas. Fighting. And his brother was not fighting for him. They were scared. Va voir comment tes frères qui se battent se comportent. Voir que ses frères ne se battent pas. They come, they combat how they fought. Ils sont en train d'être neutralisés par les paroles. They neutralize themselves. Va les voir et donne-leur cette nourriture. Give them those nourishment. Mais le père de David ne savait pas que David n'allait pas pour la nourriture. C'est lui, l'homme de la situation. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va libérer. Je crois bien aimé que tu ne sais pas peut-être pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne sais pas peut-être pourquoi Dieu t'a sauvé. Mais Dieu t'a sauvé pour une grande mission. Ta mission, c'est une mission de libération. Ta mission, c'est une mission de délivrance. Ta mission, c'est une mission pour le salut des hommes et des nations. Peut-être tu penses que tu es là. You think that you are juste here pour travailler là où tu travailles. Work where you work. Juste pour pousser ce que tu pousses, pour transporter ce que tu transportes. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a amené. Dieu a une autre mission avec toi. God has another mission with you. Parce qu'il y a des choses qui se passent dont Dieu n'est pas d'accord avec. Il a besoin d'un libérateur. Il a besoin d'un homme qui s'élève. Il a besoin d'une femme qui s'élève. Afin que la situation change. Oh, David existait. Alors, c'est comme ça que quand j'essaie de monter mon film, when je vois Goliath en train de s'habiller ce jour-là. Aujourd'hui, si personne ne sort, on les prend tous. Ils sont esclaves. If David, il est en train de s'habiller. Come out, they're going to make everyone. Il s'apprête. Il met ses armures, son garde-corps devant. On him. Il descend trop sûr de lui-même. On dit aujourd'hui c'est fini. Je sais God que personne ne sortira. Finished. I know nobody would come. Mais pendant qu'il montait, while he's coming, David quittait la maison. David left his pendant qu'il avançait, David avançait. Advance. Pendant qu'il avançait, David avançait. David advance. Quand il arrive, il commence le discours, David arrive. It's, start, is this pendant que David word demande à ses frères comment ça va, when il entend quelqu'un en train de jurer. Somebody that start cursing. Qu'est-ce que j'entends? Say, what do I il dit quoi? What is that? Il dit nous sommes des esclaves. He said that we are slaves. Il dit qu'il va nous tuer. He said that he's going to kill us. Mais c'est pas possible. But it's not possible. C'est qui cette situation-ci? Oh no, that not David est en colère spirituelle. Well, c'est qui cette situation-ci? Je ne peux pas tolérer des choses comme ça. Mad. Nous ne sommes pas des de Dieu. Nous sommes des salis de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a des choses que nous devons refuser. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des peuples de Dieu. Nous ne devons pas. You must not accept. Il commence à lui poser la question. C'est qui là? Question, who's on that? Commence à lui expliquer. They start to tell him. Depuis que nous sommes là, since we are here, 40 jours, 40 days, il nous injurie tous les jours. He curses us every day. Tu as vu même quand il s'est levé là, on a fui tous. Oh, you see when they haven't, we run away. Seulement quand ils sont, nous fuyons. I saw Sony come. We le roi lui-même est caché. The king himself. Hi! Quelle situation?
Pendant qu'il posait des questions, while ses frères l'ont vu. His brother saw him. Toi, tu es ici? See you? You are here? What are you coming to do here? À qui tu as laissé les brebis? Toi, tu es un berger. Sheep. You are berger qualifié. The berger. Tu n'as rien à voir avec la guerre. To watch those sheep. Tu ne connais rien de la guerre. Nothing about war. Tu viens vers ici. You don't know. Vous voyez le problème des hommes? Do you see the problem? On donne à quelqu'un une qualification. Tell about his qualification. On les condamne. They condemn. Toi, tu dois être dans la brousse. You must. Ta vie va se terminer dans la brousse. But derrière les brebis. Following la guerre ici, toi, tu n'as rien à voir. Why here you have nothing to see? Tu fais quoi ici? What are you doing here? Nous savons que tu es un orgueilleux. We know that you are a selfish man. Et David leur dit. And David, qu'est-ce que j'ai fait de mal? What do I do wrong? Informé au sujet de cet homme. Oh, what you are doing? Il les laisse derrière. And they left him. Il continue à poser des questions hier. S'il y a des gens qui te découragent au sujet de ce que tu veux faire, il faut les laisser derrière. Il faut continuer ton chemin. Laisse-les derrière. Les gens qui te découragent, laisse-les derrière. Ils ne sont pas les écouter. Continue ton chemin. What you are doing? Tu as des choses à faire. You have something to do. Tu as something to do. N'écoute pas tous ces gens-là. Cette année ne les écoute pas. This year, don't il doit te décourager. Who's going to discourage you? Il leur avait dit que David va mourir comme berger. David, il leur avait dit que David va mourir comme berger. Il leur avait dit que c'est votre travail final. Il leur avait dit que ce n'est pas sa vie finale. That was not his ce n'est pas sa destinée. That was not his destiny. Il a changé de camp. Il a posé des questions aux autres. He asked, he left his brother. He asked, what's going on there? On a continué à lui expliquer. And they continued. La situation ici est compliquée. Ça veut dire ce monsieur-là, il n'y a personne qui lève la main ici. That means this man. C'est comme ça que le roi lui-même a dit. The hand that want to come. C'est lui qui va les tuer. That home is going to kill him. Sa famille sera affranchie en Israël. His family will be affranchie. Sa famille va être libre. His family is going to be free. Donc sa famille va être honorée. His family is going to be honored. Et puis le roi va lui donner sa fille comme femme. And the king was going to give him his daughter. Mais ça c'est intéressant ça. Je vais devenir Jacques du roi. Ma famille devient une famille libre. Mais ça c'est bon. The family David a sa tournée surmontée. To honor David, feel something. Je dois terminer ça. I want to terminate that. C'est moi. Me. Vous savez, it's me. Il y a des choses. You know that there is something. Ça c'est pour quelqu'un dans cette église. This is for some of you. Il y a quelque chose qui va se passer quelque part. There is something that's going to happen around you. Tout le monde va être bloqué. Everybody going to be blocked. Tout le monde ne saura pas répondre à ça. Nobody going to. Tout le monde ne saura pas découvrir. Everyone. Et toi qui vas arriver. Quand tu arriveras. When you arrive. Toi qui vas réussir à ça. When you arrive. Parce que Dieu va bloquer tout le monde. Because God. Il y a que toi qui vas venir. Oh, là, au plan. Et c'est toi qui seras gagné. Avec tout le monde était découragé. And someone is going to be so. When he arrived, he said, "Feel that is me." Tellement il était assuré. He was assured. Les gens sont allés parler au roi. People went to tell. Il y a un garçon qui vient d'arriver là. There is a young man that arrived. Nous ne pensons pas qu'il peut faire quelque chose. We don't think that he can do anything. Mais il est tellement sérieux que. He's serious, so serious. On a pensé comment t'en parler. On a voulu te donner l'information quoi. We want to give him the information. He's a young boy. J'ai toujours pensé, c'est moi, j'ai toujours pensé que David avait ma taille. I always think that David was the same height as me. C'est ce que je suis toujours convaincu. That's how I'm convinced. Alors on parle au roi. Le roi entend les choses. We they talk to the king and the king. Amenez-le. Bring him to me. Il arrive. And he arrive. Il dit roi. He said king. Que personne ne puisse avoir peur dans cette affaire. On dit, oh,
Nobody can get inside and understand. Que personne ne puisse avoir peur. Moi, le grand Jésus caché ici. Don't be scared. Because God, je te dis que personne ne puisse avoir peur. I said, kid, nobody have to be scared. Bien aimé, my beloved, en ce temps, at this time, on a besoin de gens qui encouragent et non de gens qui découragent. We want somebody to encourage and we want somebody to encourage. À l'église, on a church, besoin de gens qui encouragent et non qui découragent. In church, there are some people that encourage people and some people discourage. Il y a des gens qui ne croient qu'au négatif. There are some negative people around you. Ça ne marchera pas. That doesn't work. C'est compliqué. It's complicated. Les gens n'ont pas d'argent. The people don't have money. Si on avait vérifié dans le compte de tout le monde, il n'y avait pas d'argent. It's just like the cup of everyone. There is no money. Ça ne marche jamais dans ces pays. This doesn't go forward. Nous on est à Orlando aussi depuis 35 ans. We are here since 35 years. Ce n'est pas le nombre d'années qui font quelque chose. Not the number of the years. Le grand frère de David était là depuis longtemps, 40 jours. Mais il n'a rien fait. David was there so long. Ce n'est pas le nombre d'années qui font quelque chose. The number of the years that do something. Il y a des gens qui sont là. Nous on a fait 35 ans avec le Seigneur. Mais ça veut dire quoi? That's it. We have some time with tu the peux Lord. Faire même 100 ans avec le Seigneur, mais tu n'as rien fait. You are with the Lord, but you didn't do nothing. Alors il parle au roi. He's talking mais to the king. Père. He said, don't je vais terminer l'affaire. Je vais terminer cette affaire. I'm going to finish with that thing. Le roi lui dit. The king told him. C'est bon pour le courage. That's good for his courage. Je félicite ton courage. I felicitate your courage. Mais écoute. But listen. Ce monsieur là. This man là. This non man seulement la taille. Not just my taille. Mais c'est un homme de guerre. But he's a man of war. Ça veut dire quoi? That means what? On l'a eu sa grossesse pendant la guerre. Sa grossesse. Il a été conçu pendant la guerre. He's becoming bigger. And the war time. Il y a des pays comme en Afrique, vous ne connaissez pas, je vous profite pour vous donner un peu there's de some country in Africa that you don't know. De géographie gratuit, hein? Vous ne payez pas des minéraux, les cours I'm going to give it gratuit to you. Il y a un pays qu'on appelle l'Angola. There's a country that called l'Angola. Ce pays a passé beaucoup d'années dans la guerre. This country passed many ce years qui fait in beaucoup war. De gens d'Angola ont vécu au Congo, chez moi. Everybody, so many et ceux qui sont from, restés sur place n'ont pas étudié pour la plupart du temps. Stop in my country. Parce que tous les jours c'est les armes. Every day, donc toujours la guerre. Shooting. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont été conçus pendant la guerre, nés pendant la guerre, grandis pendant la guerre. Lui, il connaît que le bruit des armes. Il ne connaît pas les bits. They don't know nothing. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, I want to explain to you. Donc cet homme. De Gaulette, c'était un homme de guerre. Conçu pendant la guerre. Il a fait les quatre pattes pendant la guerre. Il a appris à marcher pendant la guerre. C'est sa vie, c'est la guerre. C'est une bête préparée pour la guerre. Il dit, petit, regarde ma taille. Regarde ta taille. Moi, je me cache. Toi, tu veux aller. Look at I told you. On t'a envoûté ou quoi? I don't want to go and you want to go. Alors c'est là que David lui donne un peu une petite histoire. That's when David gave moi peut-être tu ne me connais pas bien. Said, king, toi tu regardes me. Ma taille mais tu ne me connais pas. You look at my, je my suis petit dehors mais je suis grand dedans. Je suis petit dehors mais grand dedans. Dedans là je suis géant dedans. Outside I'm a giant man. Et pour ta petite histoire ou quoi? For your history, king. Quand j'étais dans la brousse où j'étais avec les animaux, when I was with les the bêtes, animal, les brebis, with the mud, une fois l'ours est venu. L'ours ça, je vous donne l'histoire comment David racontait ça, oui, quoi. Tell you the story une how fois, David, l'ours est venu. The loose came. Écoute comment ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça c'est moi qui pense. Écoute comment ça vient de la Bible. Quand l'ours est venu, tu as fait quoi? Tu as couru, tu as fui. C'est moi qui dis. When the loose come, you run away. Je n'ai pas fui. Il dit non. Comme l'ours voulait prendre la brebis, je l'ai suivi. Petit, toi tu as suivi. The loose are what to take the. Non, je n'ai pas seulement suivi, je l'ai attrapé. No, I caught him. Et puis je l'ai tué. And they can say, no.
Non, pas seulement ça, les rois. Une autre fois, les lions aussi sont venus. Et à nos dépens, des. Non. David, tu veux me dire quoi? David, what do you want to say? Tu es monté sur l'arbre? Non. Je ne suis pas monté sur l'arbre. Les lions ont pris la brebis. J'ai suivi les lions. J'ai déchiré sa bouche. Et j'ai regardé. Les rois ont levé son manteau. Il a mis sa sur David. A jacket, he put it on David. Il a pris son arme, il a donné. He put get his arm and give it to David. Bat, que Dieu soit avec toi. Go fight. May God be with you. C'est ce que j'ai dit à l'église. That's what I say to the church. Il faut marcher avec Dieu. You must walk with God. Quand vous marchez avec Dieu, when you're walking with God, vous avez les témoignages. You will have testimony. C'est votre témoignage. It's your testimony. Qui va vous donner la force. That's going to give you the strength. David a dit. David said, si Dieu if God m'a délivré deliver me, des griffes de l'ours, de la gueule du lion, il me délivrera de cette circoncis de Goliath. Si l'année passée ne t'a pas tué, si 2014 ne t'a pas tué, si 2013 ne t'a pas tué, ce n'est pas 2016 qui va se tuer. Parce que la force qui t'a donné la victoire l'année passée va t'accompagner cette année et tu vas encore triompher. Le Dieu qui t'a accompagné, il t'accompagnera toujours. C'est pourquoi il faut toujours te souvenir. Tu as eu une maladie. Elle ne t'a pas tué. Tu as eu des accidents. Tu n'as pas été tué. On t'a attaqué. Tu n'as pas été tué. Si on ne t'a pas tué, on ne te tuera plus jamais. Et c'est toi qui continueras ton chemin. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu vivras pour témoigner la fidélité de Dieu. Tu vivras pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu vivras pour témoigner la puissance de Dieu. You will live. Oui, to testify il lui a dit, yes, j'ai terrassé l'ours, j'ai terrassé les lions, ils sont plus dangereux. L'ours et les lions sont plus dangereux que l'homme. Those animals were more dangerous than men. Plus dangereux que l'homme. More dangerous than men. Je vais les tuer. I'm going to kill him. Quand il laissait les armes de Saül, Saul give him il essaie de marcher. He try to walk. Il sent que ça ne va pas. He feel that doesn't fit him. Pas sa pèse et c'est long. Because this thing was too heavy for him. C'est là où je dis aux enfants de Dieu. That's why I say to the ne cherche pas à étudier les méthodes des autres. N'utilise pas les méthodes don't des autres. Try to study the method of others. Il faut pas suivre les autres. Don't follow others. Oh, lui fait comme ça, je dois aussi faire. Il faut pas faire ça. And he do that, and I must do that too. No, va don't échouer. Do that. You're going to be. Suis ta méthode avec Dieu. Follow your way, your method with God. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. That's why you must be. Suis ta méthode avec Dieu. If you are with God, c'est comme ça même quand on prêche la parole. Chacun la reçoit de sa manière parce qu'il a sa directive dedans. C'est pourquoi il faut jamais suivre quelqu'un à l'église. Tu vois quelqu'un à l'église, c'est comme ça, il ne dit rien. Il ne faut pas le suivre. Lui, là, c'est stratégie. Should sit in there, cross the arm. That's the strategy. Don't follow them. Vous savez, dans une église, you know, in this church, il y avait un frère. There were brother. Quand on prêche la parole, when we preach the word, il se lève toujours, il dit, gloire à Dieu, il est merveilleux, Seigneur, il est merveilleux. Lord, he is wonderful. Alors tous les jours c'était comme ça. Every day it was like that. Alors cette église, oui, ses frères, c'est parce qu'il n'a pas de chaussures. Il souffre tellement trop qu'il fait trop de bruit. Et frère, viens. He make too much noise. They on voit que tu n'as pas de chaussures. Come. They think you don't have shoes. Prends ça, porte, habite-toi. Comme tu aimes te mettre devant souvent. Take that, take that. Mais il ne faut pas déranger les gens. Hein? Maintenant, tu as des chaussures. Nous comprenons que tu disais amen à cause de ce que tu manques. Maintenant, on a dit. Bon, habille-toi bien. Sois calme. Écoute la parole calmement. Nice. And put your shoes and be calm. Alors, il est venu. Il s'est dressé. Il entend la parole. La parole, c'est une épée. Ça arde. Tu ne peux pas ne pas sentir la parole. Ou tu n'es pas converti, tu es converti. Alors, le frère était là. Il sent que la parole est bonne. Et puis, à un moment, il dit, oh non! Prends la voix, take your shoes. Je n'ai jamais
He refused not to. Il veut dire amen à la parole. To say amen. Vous voulez me bloquer dans les choses? Non. Stop your shoes. Je dis amen. Stop. I'm going to say amen. Take your shoes. La parole, c'est elle qui va te diriger. C'est elle qui va te conduire. Voilà pourquoi l'église est très importante. That's what my beloved church is very important. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu comme il est là, il est très important. Of the Lord is here, he is very important. Parce qu'il doit prier. He must pray. Et il doit écouter Dieu. And he must et listen to God. Ce qu'il reçoit, ce n'est pas de lui, c'est Dieu what qui lui donne. What you receive is not from him, it's God who gives it. Vous devez le recevoir. When he gives it to you, you must receive it. J'aime un pays en Afrique, c'est le Nigeria. Ah, Nigeria, I love that. Quand on prêche la parole là-bas. When they preach the word, tu vas pas arrêter de prêcher. You not parce que tellement c'est bon la façon dont ils sont. Because they listen to you. Il dit amen, ils viennent vers toi, ils regardent amen, prêche-moi encore. Amen. Revelation come more because they test of this word. Yes. Ils sont tellement amoureux de la parole que c'est tellement bon. They love quand the word. Quelqu'un est convaincu. Oh, they are convinced. Vous voyez comme je vous prêche bien comme ça. Vous voyez when I preach you, comme je vous prêche bien là, c'est pas bon. I preach you. That's mais si j'étais au Congo en Afrique, les gens seraient déjà en train de donner des offrandes à Dieu pour ça. People who come and give quand on reçoit une parole, quand on reçoit une parole, when they receive some good word, they want to give something to the Lord. Yes. Oh, il faut sceller sa parole. You must seal your word. Je reviendrai pour enseigner sur ça. I will be back to teach about. Dites amen pour que je revienne. Say amen, so I could come back. Encore ici c'est bon. Ici c'est bon parmi vous. Je suis content vraiment parmi vous. I'm happy to be here around you. Alors c'est pourquoi j'ai envie de. Il y a des endroits où tu prêches, tu n'as plus envie de revenir. Some place I preach. Il y a des endroits où tu prêches, tu n'as plus envie de revenir. Some place you preach. Parce que les gens sont pas gentils d'abord. To come back. Ils disent pas amen comme vous. Vous dites aussi amen. You don't. They don't say amen as you say. Quand je serai à Charlotte, je vais leur dire. Vous ne dites pas amen comme les gens de l'église baptiste d'Orlando. Vous, ils vous dépassent. I say that you don't say amen de la de Orlando Church. They pass you. Orlando là-bas, ça donne envie de prêcher. That's. Je vais leur dire ça. The feeling of preach, I want to tell them aussi amen. You say amen. Mais il vous reste encore un peu de choses. Amen. Être un peu souple. And something more. C'est lever dire amen. Levez-vous dire amen. Say no. And say amen. Say no and say amen. Yes. Say no. Dieu vous a donné ces jambes pour dire amen. You dis amen. Amen. Quand vous dites amen, ça s'accomplit aussi dans votre vie. La parole de Dieu s'accomplit dans votre vie. Merci, merci. Thank you. Sit down. Alors, il retourne les armes. I, maintenant, je dois terminer bientôt. Je vais terminer bientôt. Alors, finish. Il remet les armes. He give the arms il va dans les torrents. He went on the river. Il prend des cailloux. He took some cailloux. Some rock. Pour nous, les Africains villageois, on attrape des petits oiseaux pour manger. African. Alors, on les tue avec ce qu'on appelle lance-pierre. Oui, let's with Peter. Hein? Sibal, Fistibal. Vous allez m'écrire ça parce que je dois retenir ça pour prononcer. Fistibal. Il tient le Fistibal. Il met pas 5 pierres pour utiliser le Fistibal. To use and his Fistibal. Anglais. English, come on, say English. Not by fistibal. It's lens. Okay. Il prend son fistibal. Englishman here. He took his lens. Et puis maintenant, il prend 5 pierres. He took 5 rock. 5 pierres. 5 rock. Wash. Wash. Long guy. Ne parlez trop long. 5 wash. Fistibal and 5 wash. Donc, non, you confuse them. Vous êtes en train de nous confuser maintenant. Cinq wash, cinq pierres. Wow, ok, wow, wow. Ah, vous ne retenez plus. Mais moi, j'utilise un peu de mon créole. Ok, ok. Sois souple. Festival et cinq wash. Ah, si vous apprenez un autre mot, vous ne partirez plus. Non, vous n'allez pas camper. Vous allez... alors, il prend ça. He took his lens. Son fils il bat. His lens. Puis 5 bat. Wash. Alors, il s'élève. Maintenant, il se met sur le terrain.
He stood on the ground. Il commence à venir sur le terrain. His command start to come on the ground. Mais Goliath ne comprend pas. Goliath, il attend un géant. He's waiting for a big man, pour a giant man. Alors il voit un petit avancer. Now he see that il n'a pas le fait. Come with no saw, but he has a lens. Ah, mais ça, c'est quelle bêtise. What j'attends un géant. I'm je vois ce petit venir. I see a little boy. Vous savez, ça complique. Hein? Quand toi, tu no, es grand, tu vois un petit, tu vas te taper. Complicated. You are big and you see a little that's come in front of you. Wow. What? Alors, c'est comme ça que Goliath dit, toi, tu viens faire quoi? That's how Goliath said. Tu crois que moi je suis un oiseau? Tu crois que moi je suis un oiseau? Oh, you think that I'm a dog? Pour que tu viennes avec ton fils Iman? To come after me with a lens? Oh! What? Mais je vais te donner aux oiseaux aujourd'hui. I'm going to give you today. Je vais te broyer. I'm going to. Je vais te donner aux oiseaux. I'm going to comment ça? Comment dit ça? Comment dit déchirer? Rip, I'm going to rip you and give you to the devil. David était entré dans une révélation. Was in a revelation. De voir ce qui était grand comme problème. That whatever was. Et le réduire au niveau de l'oiseau. It reduces to a little. Ça veut dire que David. That means. Commence à voir Goliath comme un oiseau. Ça, là tu sais Goliath as a. Il n'a pas cherché une arme. That's how he does. Il n'a pas cherché une épée. Il a considéré que Goliath était un oiseau. He considered Goliath as a bird. J'aimerais que tu considères le problème que tu voyais grand comme un oiseau que tu peux écraser parce que ce n'est pas grand. Because that was not big before you. C'est ça que tu rends. Tu vois grand qui devient grand. That's what you si tu considères que c'est petit, c'est petit. It's small, it is small. David a minimisé Goliath. Il l'a réduit. Il est devenu un oiseau. Il va tuer avec Siba. Pull his lance. Avec un si. With what? Il a dit, donc, il a réduit. He reduced that. Ton problème, your problem. C'est que tu as grandi le problème. Oh, it's what you see. Put tu grandis le problème. Oh, cette maladie va me tuer. You say that oh, cette maladie va me tuer. This week oh, cette situation économique va me tuer. C'est toi qui l'as grandi. You are the only en fait, elle n'est pas grande. That's not big. Oh, je n'arrive pas. I would not arrive. Oh mon corps. Oh my body. Je sens. Oh, c'est toi qui as grandi ça. If you that make that big. Amen. Amen. Nous on a fait de l'autre village quand on était enfin à pied. The village what we leader on allait d'une ville à une autre à pied. We come from a village to another. Aussi longtemps on our feet. Que tu n'es pas encore proche de la ville. Même si c'est deux jours de marche. Tu es toujours fort pour marcher. You travel 2 days. Mais quand tu t'approches. When you approach, et tu t'assois quelque part pour te reposer. And you sit tu down, sens tes jambes dire, je ne peux plus marcher. Some place to sit down. Oh, que depuis longtemps les jambes là marchent toujours. Walk, mais quand tu as mis dans ta tête, when you put in your mind, que c'est in fini, your hand, c'est comme done. Ça que l'information est partie dans le that corps. Pour dire que c'est fini. C'est toi qui dois commander les choses. You are the one pour dire que c'est petit. Pour dire que ça ne représente rien. That's pour dire que j'anéantirai that David a réduit Goliath. David réduit c'est Goliath. Pourquoi quand Goliath lui disait that's why Goliath said je vais te tuer. I would kill je you. Vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Your body to the David ne s'est battu. Il s'est aussi levé. Il lui a dit, toi, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te couper la tête. Je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Et vous allez être dispersés devant nous aujourd'hui. Et vous allez savoir que la force n'est pas dans l'épée, ni dans les armes, mais la force est dans l'éternel.
Dieu d'Israël, la force n'est pas dans les dollars, la force n'est pas dans l'Amérique, la force n'est pas dans n'importe quoi, mais la force est dans l'Éternel qui marche avec toi, et c'est lui qui t'accompagnera. Is not the one that walking with me. Il ne faut pas te taire. Il faut te lever. Il faut parler. Quand le diable te parle, parle lui aussi. Quand les démons te parlent, parle aussi. Dis-leur que je suis le fils du roi des rois. Je suis l'héritier d'Abraham. Je suis ton héritier de Christ. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je ne serai jamais vaincu. I will never be beaten. Comme ça, that's how. Quand il a mis son bon, il a tiré avec son roche dedans, non? Quand il tire, je vois Goliath était comme ça. On va voir l'aventure. Parce que c'était un homme avec armure. Avec il était protégé ici, protégé là-bas. He was well protected. Tire. He said, "Boy, tu vas finir. Try. I'm going to. Je vais te broyer. I'm going to kill you." Il était trop sûr de sa victoire. He was Goliath so sure of his victory. Mais Goliath était sûr de sa victoire. Mais il ne savait pas. But David was sure of his victory. Que les roches qui étaient dedans. He did not know the. On en a parlé dans la Bible. Il y a un roche qui est la pierre angulaire. Et quand Pierre, David allait tirer, there, ce n'est pas n'importe quel roche. It's not any type of rock. La pierre angulaire. Oh, que la pierre angulaire. That's the pointu. Oh, ce qui est pointu, ça devient une balle. Oh, que cette balle est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un roche naturel, mais c'est un roche surnaturel. À ce moment, il part avec une force du ciel. C'est comme ça que Goliath était tranquille. Pensait que c'est une simple roche, oh, que c'était déjà une roche angulaire, mais c'était pointu. Quand les gens ont son visible, il dit, Goliath était là. Il a pointé ici. Ça arrive pas. Et Goliath se disait, c'est tombé, il fait comme ça. Goliath was going to go like that. S'il était au Congo, il dira, Waya, ça veut dire rien. It wasn't called God, it was Waya. Waya, rien, ça veut dire rien. Rien, nothing. Waya, nada, rien. Waya, Waya. Quand il fait ça comme ça, nothing. Il ne voit pas la pierre tomber. He doesn't see nothing that fell down. Mais il sent des vertiges. But he feels like he's heard a spin around. Il sent des vertiges. Spin. Il appelle son gars, approche, je vais te dire. He call his... God with him, and he's coming. Au lieu de tomber derrière, il est tombé devant. Ça veut dire qu'il est allé dans la position d'adoration. Comme pour dire que Jésus seul est Seigneur, que l'Éternel seul est Dieu, que l'Éternel seul est roi. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être glorifié. Et il est tombé. Boum! The people cry. What? Maintenant les autres descendent en position comme ça. Better the other. Les Philistins étaient dans cette position. Les Israélites étaient dans cette position. Israelites was in this position. Ils voient le petit David en train d'avancer parce qu'il savait qu'il avait David fini l'affaire. Was approaching. Il avance. Il avance, il arrive, il bouge. Next to him, il tire son épée. Il lui coupe la tête. Il prend la tête. Et l'épée. Parce que lui avait amené l'épée pour tuer David. Mais son épée a coupé sa tête. Ceux qui utilisent les armes contre vous, leurs armes les détruiront. Cette année,
to kill you, aucune arme they used to ne te touchera. Aucune arme this ne te touchera. Mais l'arme qui sera utilisée contre toi fluera celui qui la mènera. Il a pris la tête. Et il a pris l'épée. Le camp des Philistins ont pris fuite. Et le camp d'Israël les a suivis. Je suis en train de voir le frère de David crier, c'est notre frère, c'est notre frère. Au cavale, ils l'ont critiqué. Ils ne croyaient pas en lui. Je vais te dire une chose, ceux qui te critiquent aujourd'hui vont changer le langage demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont te chercher demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont te glorifier demain. Je termine en te disant, cette année, rien ne te résistera. Cette année, rien ne te résistera. Tu auras la victoire. Si tu marches au nom de l'Éternel, si tu crois l'Éternel, si tu te confies dans l'Éternel, tu auras la victoire. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Tu sauveras ta famille. Tu sauveras ton pays. Tu sauveras ton église. Et la gloire reviendra à l'Éternel. Lève-nous, proclamons que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous avons vaincu. Nous dominons. Nous allons de l'avant. Nous réussissons. Nous voyons la gloire de Dieu. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. God is with us. L'Éternel est avec nous. God is with us. Au nom de Jésus.